Tata Mili Mili. Tata Mili Mili, je te salue. Au Carrefour, je m'appelle Millicent et non Tata Mili Mili. Bien sûr que je sais. Waouh! Selon mon observation, on dirait que tu es venu avec un nouveau servant. Laisse-moi deviner. Cuisinier ou nettoyeur? Excuse-moi. Ne t'en fais pas, tu es pardonné. Parce que ça fait longtemps que je veux que tu viennes avec un servant pour me rejoindre dans cette maison. Je suis fatigué de rester tout seul dans cette cour avec des filles. Je suis comme Marie, bénie entre toutes les femmes. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Je vis bien. Et toi? Je vais bien. As-tu constaté que depuis que Millicent a promis de nous introduire son petit ami, genre depuis qu'elle est partie chercher le gars, elle n'est pas rentrée? Tu sais comment j'appelle les gens comme Millicent? Quoi? Chercheur d'attention. Nous savons tous qu'elle est autocratique. L'autocratie en elle ne la laissera pas avoir un rendez-vous. Peu importe ce que t'as dit, tu sais, t'as sans doute raison. Non, pas du tout. Tu ne comprends pas. Je sais que tu ne comprends pas parce que ta capacité grammatique ne peut pas élucider mon énergie intellectuelle qui se transfère à toi. C'est bon, je comprends tout. T'as raison. Yo, frère. Moi, c'est Abana Bonetumu Bonessiano. Tata Shumi Brown m'a pris dans ma ville pour venir dans cette ville et changer mon nom à Okafor. Et non, je ne connais pas la signification. Imagine. Deux. Agbana Bonet Tumu Bonessiano. Okafor, je t'en prie. Peux-tu, s'il te plaît, retourner à ton poste? Oui, permission accordée. Tata Mili Mili. Mon nom, c'est Millicent. Alors prononce-le bien cette fois. Millicent. Mon frère. Agbana Bonet Tumu Bonessiano, pas Okafor. Tiens, tu dois lire. Mon cœur, s'il te plaît, je suis vraiment désolée. Ne prête pas attention à Okafor. Ce n'est qu'un gros idiot, mais c'est sympa de rester avec lui. C'est bon. S'il te plaît, allons-y. Il est très amusant. Très bel endroit. Merci. Parlons du loup. Et la voilà. Finalement. Mon cœur. Salut les filles. Salut. Mon cœur. Voici mes colocs. Ok. Chomi et Latifa. Salut toi. Wow. Enchantée les filles. Sois bienvenue. Alors, comment s'appelle-t-il? Son nom, c'est Bartholomé. Bart quoi? Bart? Bart, Bartholo. Bartholo, Bartholomé, ça sonne un peu vieillot. Oh ouais, je veux dire, es-tu juif? On dirait un nom juif. Dis, c'est un nom juif? Chioma, j'espère que tu n'essaies pas de te moquer de moi, là. Oh, s'il te plaît, ne m'appelle pas Chioma. Je te l'ai déjà dit. Si tu veux m'appeler, appelle-moi Chomi. Chomi Brown ou Chomi Black. Tu sais, mais je ne t'en veux pas. Tu ne lis pas. Quand je vous demande de lire, vous ne lisez pas. Alors ma capacité intellectuelle ne peut pas se connecter à votre dégradation intellectuelle, madame. Tu ne dois pas prendre ça comme une injure. Tu sais qu'elle ne fait que blaguer. Mon cœur... Ne fais pas attention à elle, d'accord? S'il te plaît, est-ce que tu peux t'asseoir? Wow. Ok. Mets-toi à l'aise. Mon cœur, je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je t'ai déjà dit que mes amis sont bizarres. Allez, bébé. Tu n'as pas du tout à t'inquiéter pour ça, voyons. Les filles se comportent toujours comme des filles. Écoute, le plus important dans tout ça, c'est que je sais déjà où tu habites. Alors, lorsque je vais te voir, je viendrai ici au lieu d'aller dans ton bureau. Ça veut dire que tu n'es pas en colère?
Fâchée? Pourquoi devrais-je? En fait, je suis vraiment, vraiment, vraiment déçu. Tata Millie, tu as besoin d'un homme qui te dira à quel point tu es vraiment belle. Tu es là, à embrasser un ignan pourri. Très moche, comme notre ancien président. Je t'aime beaucoup. Je t'aime. Tu es une déçue. En fait, une déception. Merci. Allez, pourquoi tu me remercies? Ne sois pas bête. Tu vas me manquer. Voyons voir. Tu vas encore plus me manquer. Prends soin de toi. Toi aussi. Ok. Allez, viens. Laisse-moi te faire un bisou ici. Tu sais que tu es ma reine. Je sais, merci. Prends soin de toi. Bye. Bye-bye. Franchement, je ne vous comprends pas, les filles. Qu'est-ce que vous venez juste de faire? C'était la raison pour laquelle vous m'avez demandé de l'inviter. Comme ça, vous pourrez vous moquer de lui et vous moquer de moi, c'est ça? Détends-toi, Millie. Tu dois te trouver une vie, tu sais. Comment peux-tu venir avec ce gars horrible et affamé comme petit ami? Il est vraiment dégoûtant. Est-ce qu'il couche avec toi? Latifa! Je veux dire, est-ce qu'il te baise? Surveille tes mots, Latifa! Tu crois que tout le monde est une pute comme toi? C'est ce que tu crois? Tu peux voir ma vie comme celle d'une pute. Mais je la vois comme une vie de plaisir. Et je vais en profiter jusqu'au bout. Mais si tu veux profiter de la vie, ma chère, tu dois essayer d'en profiter de façon significative et juste. Ne peux-tu pas voir qu'il court juste après ton argent? Il court après ton argent durement gagné. Chercher un gars sur qui dépenser ton argent est très mal. Eh bien, Latifa, vas-y doucement, ok? Tu n'as vraiment pas besoin de hurler. Ma puce, Millie, la vérité fait mal, ouais, je le sais. Mais tu sais, parfois, si bien encaissé pourrait servir comme une pommade adoucissante. Tu vois ce mec, comment on l'appelle? C'est quoi son nom? Bartolo? Peu importe comment il s'appelle, il n'est pas à ton niveau. Il est en dessous de ta classe, il est en dessous de tout ce que tu représentes. Il a un très mauvais nom et je crois que c'est de la faute de ses parents. Ce sont des gens tellement primitifs et illettrés. C'est la seule raison d'appeler un enfant Bartholomé. Non mais c'est quoi ce genre de nom? Mon conseil pour toi, pour lui, c'est qu'il devrait vraiment changer de nom, tu sais, comme j'ai fait avec le mien. De Chuma à Chummy Brown ou Chummy Black. Pourquoi est-ce que vous devez autant le juger? Pourquoi vous? Je veux dire, c'est tellement... Vous ne le connaissez même pas. C'est un jeune homme tellement aimant et attentionné. Pourquoi es-tu si naïve, ma puce? Surtout à ton âge. Ne peux-tu pas faire la différence entre le bien et le mal? Je veux dire, c'est écrit clairement sur le mur qu'il court après ton argent. Réveille-toi. Je suis totalement d'accord avec Latifa et pas seulement ça. Il est vulgaire. Il est en-dessus de toi, chérie. Il est en-dessous et tu es là et lui, il est là. Ça, c'est vrai. Chérie, je t'en prie.
tu vas bien? Ouais, je vais bien, et toi? Je vais bien. T'es trop concentrée sur ta machine, c'est pour ça que je demande. Oh oui, parce que je dois lire, je dois me mettre à jour, tu vois. Pas comme toi, qui a toujours une moelle allongée et endormie. Ah, es-tu obligée de m'insulter chaque fois que t'en as l'occasion? Ce n'est pas une injure, tu sais que tu dois travailler sur ta grand-mère. Qui est-ce que la grand-mère a déjà aidé? Chut, tu ne dois rien dire. Laisse-moi voir si je peux escroquer ce gars. S'il te plaît, rappelle-moi plus tard. Je ne suis pas d'humeur pour parler là maintenant. Mais qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? C'est quelque chose de personnel que j'essaye de résoudre. Vas-y, je t'écoute, tu peux tout me raconter. Ok. Mon loyer a expiré. Et l'avocat vient de partir d'ici il y a quelques minutes. En menaçant de me mettre dehors si je suis incapable de payer dans une semaine. Et franchement, je n'ai aucun argent actuellement. Je suis fauchée. Tu sais, je viens de traiter ma mère. Il y a 4 jours, elle a subi une opération. Tu te souviens que je t'ai dit que j'étais au village la semaine dernière? Combien est-ce que c'est? C'est 480 000. Mais si tu peux avoir 300 000, je serai capable de me débrouiller. James, peux-tu m'aider avec cet argent? Et je promets de te le rembourser dès que possible. Très bien. Je vais le faire. Est-ce qu'on peut se rencontrer quelque part? D'accord. Donne-moi juste un peu de temps. Je vais te rejoindre. Jésus-Christ! Chérie, tu es une très grosse menteuse sans frontières. Mais tu y es bonne? Peu importe. Mais ceci s'appelle être intelligente. Vraiment? Comment t'as encore appelé ça? Oh mon Dieu! Tu peux mentir? Tu devrais ouvrir une école. Une école de mensonges. Oh, je suis juste intelligente. Tu es une menteuse sans frontières. Pouvons-nous trinquer à 300 000? Mon Dieu, je vais trinquer pour un mensonge. Ton mensonge m'a bouffé, ma puce. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Tout ce qui me préoccupe maintenant, c'est l'argent. Écoute, bébé. Allons à l'intérieur. J'ai déjà réservé une chambre. Je suis en chaleur. En quoi est-ce que cela me concerne? Je veux dire, je suis ici pour de l'argent. Je croyais que tu voulais m'aider. Et maintenant, tu veux que j'ouvre mes pieds. Ah non, c'est mauvais. Ok, bien, bien. Oh, tu as dit que je me rembourserais, pas vrai? Bien sûr, je vais te rembourser dans 2 mois par là. C'est tout. Ok, c'est parfait. Puis-je avoir ton numéro de compte, s'il te plaît? 2-2. Ok. 1-1. 2-2. Oui. 5-4. 5-4. 9-1. 9-1. 2-1. 2-1. Ouais, c'est mon compte. D'accord. C'est ça. Ok. Ok, je viens de transférer 400 000 naira dans ton compte. Waouh. Tu pourras rembourser 300 000 naira et garder 100 000 naira pour toi. T'es sérieux? Merci beaucoup, beaucoup. T'es vraiment en or. Vraiment? Ouais. Elle vient là. Viens là. C'est vraiment chaud, bébé. Oh, c'est plus chaud. Allez, viens, on va dans la chambre. Au cafard. Merde, merde. Okafor!
Hein? Pourquoi ton visage est comme ça? Qu'y a-t-il? Pardon, oublie mon visage. Comment peux-tu regarder mon visage et savoir que je ne suis pas content? Regarde Liverpool. Hein? Cette maudite équipe vient de me brûler un ticket. Hein? Oh mon Dieu. Tu es si imprudent. Oh oui. Ne t'ai-je pas prévenu de ne plus jouer à ce jeu ici? Ne t'ai-je pas averti? Tu sais quoi? Ce jeu de merde te rend inopérable. Et tu y as refusé de te désister de ça. Bien, je vais te poser une question. C'est pour moi que tu es parti à l'université? Hein? Est-ce que je suis la raison pour laquelle tu as tous ces gros dictionnaires? À chaque fois que tu veux me parler, tu ne pourras pas me parler en une langue que je pourrais comprendre. Tu me parles toujours avec de gros mots. En fait, je commence à me demander si tu m'insultes. Et la prochaine fois que tu me parles avec de gros mots, je vais te répondre à ma langue maternelle. À quoi et boum. Tu vas la fermer? Comment oses-tu me répondre quand je parle? Comment peux-tu appréhender ce qui est inconcevable? Il n'y a aucun moyen que tu puisses le faire. La seule chose que tu remues sont les paris. Laisse-moi te poser une question. C'était quand la dernière fois que tu as lu un livre? Je suppose que jamais. Est-ce que tu sais que quand un homme arrête d'apprendre, il commence à mourir? Sa moelle allongée devient tout à coup inactif. Voilà ce qui t'arrive en ce moment. Est-ce que c'est mon problème? Je te demande pardon. Viens-tu juste me parler? C'était quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit, je vais retourner dans mon poste de gardien. Peu importe. Tiens. Va m'acheter une bouteille d'eau aquatique. Ça, c'est quoi ça encore? À quoi? Mais madame, dites-moi s'il vous plaît, où est-ce qu'on vend ça? Tu es tellement bête, je veux dire ta tête est vide, ta moelle allongée inactif. Ça veut dire achète-moi un paquet d'eau embouteillée. De l'eau? On dit d'eau, pas l'eau. Même si c'est d'eau ou de l'eau, qu'est-ce que je vais acheter? Le conteneur aquatique est appelé l'eau embouteillée. De l'eau ordinaire en bouteille? De l'eau en bouteille que tu appelles à quoi? À quoi? À quoi? D'accord, pas de soucis, je m'en vais acheter à quoi? Hey monsieur, je ne t'ai pas demandé de m'acheter un à quoi? J'ai dit le conteneur aquatique, c'est ce que je voulais dire. De l'eau en bouteille? Peu importe. Oh, tu n'arrêtes pas de me balancer des gros mots, j'en ai vraiment marre. Oh mon Dieu, comment j'ai fini avec cet homme? Attends. Salut. Bon, tu cherches qui? Est-ce que la Tifa est là? Appelle-la, je ne connais pas. Oh, mais c'est bien sa voiture, là. Et alors? Latifa? Latifa, viens prendre ton téléphone, il sonne. J'ai manqué un appel. Allô? Allô? Oh oui. Je vais bien. S'il te plaît, je dois te voir. Mais je t'ai dit que je ne serai pas à la maison. Alors pourquoi es-tu venu? Quand vas-tu rentrer? J'ai voyagé pour Port-à-Côte. Et je vais rentrer aujourd'hui. Tu as Port-à-Côte?
Je veux que tu viennes chez moi demain. Je ne sais pas, mais je pourrais pas. S'il te plaît, je dois vraiment te voir, ok? Très bien. Ok. Ouais. Mais tu aurais dû me dire qu'elle n'était pas là. Comme tu l'as appelée au téléphone, elle t'a dit qu'elle n'est pas là, ça ne te plaît pas? Maintenant, sors. Imaginez, il me demande si elle est là. Est-ce que je dois lui dire quand elle est là ou quand elle n'est pas là? À quoi ça me regarde? En y réfléchissant bien, c'est Tata Latifa, hein? Elle est très bizarre. Tu ne peux pas garder un seul homme pour toi seul? Aujourd'hui, James, demain, John. Garde un homme, comme dans la Bible. Un homme, une femme. Okafor. Okafor, tu m'as fait mentir. Et je vais m'occuper de toi. Hey, ferme-la! Tu n'es qu'une sale menteuse obstinée. Oh mon Dieu! Donc maintenant, tu veux jeter la faute sur Okafor, oubliant que nous te connaissons et ton véritable caractère, que tu mens pour gagner ta vie? Mais Latifa, quand vas-tu enfin être véridique dans ta vie? Est-ce que tu dois mentir à chaque fois? S'il vous plaît, je vous en supplie de rester loin de ma vie. Et arrêtez de parler de quoi que ce soit de ma vie. Hey, c'est ma vie, ferme-la. C'est ta vie, mais nous voulons te dire la vérité. Ton niveau de mensonge prend une autre tournure. C'est pas vrai, ça devient excessif. Okafor. 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 Me voici. Pourquoi es-tu si bête? Pardon? Et pourquoi ne peux-tu pas utiliser ta tête pour une fois? Okafor, relève-toi. Okafor. Okafor, réveille-toi. Okafor, réveille-toi. Je ne faisais que jouer avec toi. Okafor, réveille-toi. Je ne faisais que blaguer. Je blaguais juste avec toi. Okafor! Okafor! Millicent! Chomi! Oh non, Okafor, réveille-toi! Okafor! Latifa? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi est-il couché au sol? Je l'ai juste giflé et il est tombé. Et ta gifle l'a presque tué? Et depuis ce temps, il est comme ça. T'en fais pas, c'est juste une blague, ok? Okafor! Okafor! Ah, tu ne veux pas te réveiller, tu me fais une farce, c'est ça? Je vais écraser ta grosse tête maintenant, allez, lève-toi! Donc depuis tout ce temps, tu faisais semblant? La prochaine fois que tu veux me gifler, demande la permission. Allez, ça suffit, ne lui parle pas de la sorte. T'es chanceux que je t'ai juste giflé. La prochaine fois, je vais t'écorcher. Pourquoi est-ce que tu le gifles? Qu'est-ce qu'il a fait? Tata Millie, merci beaucoup d'avoir dit ça. En fait, je te donnerai le double des jumeaux, 4. Et toi, Millicent? C'est quoi tes affaires avec ce que je fais avec lui? Ce sont ses affaires, et nos affaires également. Tu ne peux pas l'utiliser comme un esclave, comme tu veux. Tu dois le vénérer de ses droits, en tant qu'homme. Donc tu l'appelles un homme? Oh oui, c'est un homme. Latifa, il est grand temps que tu arrêtes de le traiter comme de la merde dans cette maison. Il n'est pas juste sous tes ordres, mais de nous toutes. Alors arrête ça, est-ce que tu comprends ça? Et si je refuse d'arrêter? Dis-moi, tu vas me frapper ou me gifler? Latifa, tu dois arrêter cette charade et folie, est-ce que tu m'entends? Je ne vais pas te rappeler que cet homme a des droits d'humain fondamentaux. Et pourrait demander de l'aide venant d'un conseiller légal. Et tu sais quoi? Cela pourrait finalement te conduire en cour de justice, où il convoquera ton joli cul. Oh non, ton moche cul! Je vois que tous ces bouquins que tu lis affectent vraiment ton cerveau. Et un jour, tu deviendras folle. Laisse-moi t'informer. Toutes ces choses que tu vois dans les papiers ne sont pas réelles. Donc réveille-toi, nous sommes au Nigeria. Non mais qu'est-ce qu'elle raconte? Tu ne lis pas les bouquins. Tu n'as rien à me raconter à propos des bouquins.
ma puce. Comment vas-tu? Tu ne vas pas à la boutique aujourd'hui? J'irai plus tard. J'ai des choses à faire d'abord. Latifa, ça fait longtemps que tu n'es pas allée dans cette boutique. Tu prévois de la fermer ou quoi? Tu ne pars pas au boulot? T'es sûre de ne pas être en retard? Toujours sur la défensive. Qu'en est-il de Chomi? Elle est dans sa chambre depuis le matin. Tu es sûre qu'elle va bien? Ce n'est pas son genre. Si t'es trop inquiète pour elle, va la regarder dans sa chambre. Désolée. Chomi Bag, s'il te plaît, dépêche-toi. Je ne veux pas être en retard. Est-ce que tu peux m'entendre? Dépêche-toi. Je suis vraiment désolée, ma chérie. Oh mon Dieu, t'es si jolie. Toi aussi, tu es jolie également. Oh, merci. Alors, allons-y maintenant. On prend les photos ici ou quand on va arriver? Nous sommes déjà en retard. Tu es d'accord avec moi que les photos sont sérieuses? Salut, mes filles. Ah. Hey. Allô, ma puce, comment tu vas? Non, il n'est pas là, il n'y a personne ici. Mais dès qu'il arrive, je vais te tenir informée. C'est d'accord. Prends soin de toi. Bye. Jeune homme, si vous cherchez Mélissinte, elle n'est pas là. Vous pouvez repasser plus tard, mais elle n'est pas là pour le moment. Oh oui, je sais qu'elle n'est pas encore là. Elle m'a fait appeler qu'elle est sur le point d'arriver. Elle a fait? Oh oui, ce qui veut dire que je suis là pour l'attendre. N'as-tu pas entendu ce qu'elle vient de dire? Elle n'est pas là. Et nous sommes en train de sortir. Et tu t'attends à ce qu'on te laisse à l'intérieur, tout seul? Ce n'est pas possible. Impossible. Allons-y. Waouh, c'est exactement le même goût que j'ai commandé aux fiançailles de Davido. Je sais que je devrais être la mariée, mais je ne me plains pas. Parce que ce qui est à moi sera sans doute à moi. Vous savez, quand il me dérangeait, il me demandait comment... Non, c'est impossible, ça, jamais. Il a déjà un tas de copines partout. Alors, je me suis juste dit, je vais l'introduire à Shioma. Et regardez où ils sont maintenant. Je ne me plains pas du tout. Parce que vous savez qui est là? Don Jazzy. Waouh! Je suis la Rihanna dont John Jazzy parle. Je sais que vous êtes surpris, mais ne le soyez pas. C'est juste qu'il ne veut pas le rendre public. Je suis la Rihanna et il ne veut pas le faire savoir par les Nigériens, parce que vous savez comment vous vous moquez de tout ici au Nigeria, donc il... On le garde juste cool. Très bientôt, je vais tous vous inviter. Mais réfléchissons-en un peu. Est-ce que je dois inviter Two-Face? Parce que vous savez, lui et moi avons une relation secrète.
Bon, les gars, je ne veux pas vous déranger avec mes relations en ce moment. Parlons d'affaires. Hey. Hey, que fais-tu ici dehors? Mais qu'est-ce que tu fais ici dehors? Je croyais t'avoir dit d'attendre dans la maison. Eh bien, j'ai juste choisi de rester ici. Désolé, j'espère que tu n'as pas quitté le travail plus tôt. Oh non, j'avais déjà terminé avec le travail d'aujourd'hui. Mais n'utilise pas ça comme une excuse. Qu'est-ce que tu fais ici dehors? Comme je l'ai dit, j'ai choisi de rester ici. Tu sais, la vue, respirer de l'air pur. Tu as rencontré Chomi et Latifa, n'est-ce pas? Oui. Oh oui, elles étaient sur le point de partir, donc j'ai décidé de rester ici. Bébé. Femi. Le Femi que vous connaissez au Tédola. Il veut me signer en tant que nouveau manager à Managing DG Copy. C'est tellement incroyable. N'est-ce pas brillant? Ne vous en faites pas. Nous allons tous nous amuser, profiter de l'argent et tout le reste ensemble. C'est génial de t'avoir avec nous. C'est un grand plaisir, en fait. Bien sûr. Je pense que ça ne sera pas une mauvaise idée, mais... nous allons partir maintenant. Oh, d'accord. C'est pas grave. Jerry. Que ce soit comme nous avons causé, d'accord? D'accord, pas de souci. Je ferai exactement d'accord. Ça. D'accord. C'est d'accord. Excusez-moi, une dernière corde. D'accord. Bye, bye. D'accord, prenez soin de vous. C'était un mensonge ou... Est-ce qu'elle était sérieuse à propos de ça? Il n'y a que Dieu qui le sait. Je crois qu'il y a quelque chose à propos de ces filles que je ne comprends vraiment pas. C'est pas vrai. Où est-ce qu'il est, mon chargeur? Tu l'as déposé ici. Oh mon Dieu! Tu veux dire que c'est un homme qui t'a donné ça? Waouh! Il t'a chuté ça? Oui. Tu te fous de moi? C'est très joli. C'est beau. Il a vraiment du blé original. C'est de la bonne matière. En plus, c'est très joli. Attends, regarde ça. C'est une pièce unique. On dirait qu'il est fait à partir de la peau d'un piton. La peau d'un piton, tu vois le dessin? Regarde, mais non, ça vaut de l'or. Oui. Oh mon Dieu, je suis jalouse. Oh mon Dieu, je sais ce que ceci vaut. Ceci coûte environ 50 euros. Il est incroyable. Oh mon Dieu. Cet homme est incroyable, n'est-ce pas? Oui. Allez, remettez-moi mes affaires.
J'ai déjà fouillé toutes mes affaires. J'ai cherché partout et je ne le retrouve pas. Mais comme toutes les deux, vous avez dit que personne ne l'a pris. Ça me va, pas de souci. Voyons, Millie, tu n'as peut-être pas bien fouillé. Tu dois bien chercher tes choses avant d'appeler les gens et les accuser tous en posant des questions. Je veux dire, tu as été dans cette chambre pendant longtemps. Tu devrais savoir si quelqu'un entre ici pour prendre tes choses, Millie. Tu dois fouiller tes affaires proprement. C'est embarrassant que tu m'appelles et commences à me demander des choses dont je ne sais rien du tout. C'est peut-être parce que tu es désordonnée ou quelque chose. Ça se cache quelque part ou ça se balade quelque part. Chomi a raison. Tu dois bien fouiller. Fouille bien tous les côtés de ta chambre. Oui, tu pourrais le retrouver. Je dirais. Ok. Vous essayez de me dire que cet habit a eu des ailes et s'est envolé de cette chambre. C'est ce que vous essayez de me dire? Donc, parce que nous avons admiré tes vêtements, ça veut dire que nous les avons volés. Es-tu en train d'insinuer que nous sommes des voleuses? Non. Alors, qu'est-ce que tu dis? Vous n'avez pas vu mes vêtements. D'accord, ça me va. C'est bon. Bon, les filles, je vais partir. Je me sens étourdie. J'ai pas le temps. Et cherche bien tes vêtements, d'accord? Je me sens étourdie. À plus tard. Je veux dire, tu penses que je peux t'aider? Je peux t'aider à chercher. De toutes les façons, est-ce que tu as besoin de mon aide pour fouiller avec toi? Je peux le faire, ça pourrait être. Monsieur, qui êtes-vous et que faites-vous ici? Écoutez, je veux voir Latifa. Votre gardien dit qu'elle n'est pas là. S'il vous plaît, avez-vous une idée du quand elle va rentrer? Si le gardien a dit qu'elle n'est pas là, alors que fais-tu encore ici à te pavaner partout? Je vous demande pardon? Malheureusement, je n'ai aucun pardon à donner. Vous m'avez entendu? Vous devez foutre le camp d'ici, tout de suite. Il est parti. Donc tu pars commettre un forfait et tu viens te cacher ici et tu me poses des questions. Ta bouche t'appartient, n'est-ce pas? Tout ce que tu aimes, tu peux le dire. C'est tout ce que tu as à dire? Je viens de te couvrir là. Merci, pétasse. Et la prochaine fois, parle du bon français.
Est-ce que tu sais que Latifa est une criminelle sans scrupules? La seule chose qu'elle fait dans cette maison, c'est commettre des crimes et venir se cacher. Vraiment? Est-ce qu'elle dit la vérité? Bonsoir, les filles. Bébé. Hey, bébé. Comment tu vas? Tu vas bien? Je vais bien. Comment était ta journée? Très bien. Tu sais quoi, bébé? Tu es la plus belle femme de toutes les femmes de cette planète. Tu es une beauté africaine très rare. Oui, et tu vois, je remercie le ciel pour le jour où ta mère t'a mise au monde. Parce que ce jour, elle a fait de moi un homme accompli sur cette terre. Oui, c'est pour ça que je veux dire. Joyeux anniversaire, mon cœur. Excusez-moi, c'est mon anniversaire. Bien sûr. Allez. Mon amour. Oh mon Dieu, j'avais oublié. Oui. Merci, oui. merci. Tu sais que tu es une femme qui travaille beaucoup, tu vois. Tu sais que tu es une femme qui travaille beaucoup, donc des choses comme ça peuvent t'échapper. Que Dieu te bénisse. Ah, que Dieu nous bénisse. Tu es ma reine. Tu sais quoi? Pour faire de ce jour une journée mémorable, je veux juste que tu ailles à l'intérieur et mettre quelque chose de joli. On va sortir. Avant cela, nous devons voir le contenu. Oh ouais? Que veux-tu dire par là? Montre-nous, je vais t'aider. Ne t'approche pas. Hey, hey, hey. Bébé. Nous sommes tes amis, chérie, alors nous devons voir. Bébé. Oh mon Dieu. Oh, t'es ici? Oui, bonjour Latifa. Bonjour Millie, comment était ta nuit? Pas mal. Millicent, je me sens toujours mal pour toi. Comment et pourquoi? En y réfléchissant, quel genre de petite amie donne à sa petite amie un cadeau ordinaire d'avoine comme cadeau d'anniversaire? Je t'ai dit que j'adore mon cadeau. Et j'apprécierais que tu apprennes à t'occuper de tes affaires. Si tu le dis. Mais je veux juste te rappeler qu'il y a beaucoup d'hommes là-dehors qui apprécieront une belle et sublime jeune dame comme toi. Tu mérites mieux que ce laid, misérable, pauvre gars qui donne un portrait à sa copine. Un portrait d'avoine comme cadeau. Je veux dire, comme cadeau d'anniversaire. Ah, allez, copine. Tu mérites mieux. Millicent? Ah, je ne fais que te conseiller pour ton propre bien. Et puis demain, tu viendras me demander. Okafor! Okafor? Okafor! Où est ce jeune homme? Tata Chomi,
Apparemment, tu me cherches. Tata Shomi. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai dit. J'ai dit qu'un jour, cette fille deviendra folle dans cette concession. Trop de lecture, trop de grammaire. Maintenant, je l'appelle. Tata Shomi. Elle me regarde. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle est partie sans rien dire. Oh. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Entrez! Bien sûr! Tu es libre? Entre. Vas-y, entre. Entre, ma puce. Est-ce que tu vas bien? Oui. Tu as vu le cadeau d'anniversaire que Bartholomé m'a donné, n'est-ce pas? Oh ouais! J'ai vu l'hideuse, catastrophique et infecte peinture sur le mur. À ce point, mon esprit ne peut pas concevoir ce qui est plus hideux. La peinture ou l'homme qui l'a présenté. Un instant. Je ne suis pas venue ici pour les injures. Si tu ne veux pas m'écouter, je vais gentiment partir. Tu te sens insultée? Oh mon Dieu, excuse mes manières. Mais tu sais quoi? Je ne vais pas m'excuser parce que j'étais honnête. Oui. Eh bien, je vais mettre mes principes éthiques de côté. Alors, vas-y et parlons-en. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Je comprends que Bartholomé grandit encore financièrement. Il n'a pas gagné le gros lot. Et il ne se soucie pas de ça. Chomi. Peu importe à quel point un homme est fauché, il peut toujours acheter un joli cadeau d'anniversaire à sa copine. Tu vois? Tu vois ce que j'essaye de faire comprendre à ton esprit émotionnellement instable? C'est que cet homme, c'est quoi son nom déjà? Bart, Bartholomé, peu importe. Il est un menteur. C'est un opportuniste. C'est un parasite qui va se nourrir de toi aussi longtemps que ça pourra durer. Et tu connais mon conseil pour toi, ma puce? Abandonne-le et va de l'avant. Il n'est pas bien pour toi. Mais je l'aime. L'amour est fictif. Pure fiction. L'amour est un sentiment dépressif qui projette chavirer ta moelle allongée. Ma puce, attends, je n'ai pas fini. Où est-ce que tu vas? J'ai parlé, mais personne n'a voulu m'écouter. Je parle maintenant et personne ne veut m'écouter, oh. J'ai gardé mon ticket ici et je ne le retrouve nulle part. Bon, attention. Si tu sais que tu es coupable de cet horrible forfait, toi-même viens te soumettre. Je sais pourquoi je dis ça maintenant. Si tu es sage, soumets-toi, oh. Avant que je ne commande ce truc, comment ça s'appelle? Oui, le tonnerre, oui. Avant que je lance le tonnerre à quelqu'un. Si je commande... Le tonnerre de la forêt de Sambisa. En fait, je dois le canaliser avant de l'envoyer. Ça ne va pas seulement te foudroyer. Ça va foudroyer toute ta génération. Je parle maintenant et personne ne m'écoute. On dirait que vous voulez mourir comme le poulet. Personne ne peut voler Okafor et s'en sortir aussi facilement. Oh. Je dis ça, je dis rien. Okafor. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Le mécanicien n'a pas apporté ma voiture. J'en sais rien. Je te parle de mon ticket, tu me parles de la voiture. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je te parle et tu es assis là. Vas-tu te lever et me parler? Bon, Tata Mili, mon ticket. Pour la première fois, Okafor gagne. Au Paris nigérian, j'ai déposé mon ticket ici et je suis allé payer de l'eau à boire dehors. J'ai acheté mon ticket et ma monnaie que je voulais utiliser pour prendre mon transport pour aller récupérer mon argent. Tout disparu. Je ne retrouve nulle part. Je ne comprends pas. Qui est-ce qui pourrait bien te voler? Si tu me demandes, moi je vais demander à qui? Je suis vraiment... Mon ticket! Pourquoi tu hurles? Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un a volé le ticket d'Okafor et... son ticket de Paris nigérian et sa monnaie qu'il a gardé ici. Je suis confuse. Ça ne peut pas être quelqu'un de cette maison. Bien sûr! Et aussi, nous n'avons pas de ménagère, donc...
Je ne comprends pas, je suis confuse. Nous n'avons pas de ménagère, alors. C'est de la négligence. Il fait toujours ça. Il a laissé le portail ouvert et quelqu'un est entré. Il a peut-être volé ses choses. Alors ne jette pas la faute sur nous. Je ne peux pas t'aider, ok? Excuse-moi. Je trouve qu'elle a raison. Je croyais t'avoir averti de ne plus jamais laisser ce portail ouvert. Si quelque chose se perd dans cette maison, je jetterai la faute sur toi. Tata Millie, une petite correction. Correction. Je n'ai jamais laissé ce portail ouvert. Dans toute ma vie, je n'ai jamais laissé ce portail ouvert. C'était quoi ce bruit dehors? Est-ce que tu peux croire ça? Est-ce que tu peux imaginer ce gardien imprudent? Il a laissé le portail ouvert et un bandit est entré. Il a voulu ces choses et il me demande. Est-ce que tu peux imaginer le toupet? Il me demande ces choses. Il te demande ces choses disparues. Et les chanceux que sont ces choses à lui qu'on a volées et non les miennes? Quand je sors, je ferme. Quand j'entre, je ferme. Et maintenant, mon ticket, c'est quelqu'un de cette concession. Okafor, s'il te plaît, je ne te comprends pas. Pardon, remettez-moi mon ticket, oh. Si tu sais que tu ne veux pas mourir comme le poulet. Mon ticket, je parle maintenant, c'est très très important. Si tu sais que tu as pris mon ticket, remets-moi mon ticket. Je parle maintenant, tu ne peux pas voler chez Okafor et t'en tirer. J'allais confisquer son salaire de 3 mois. Mais encore, à quoi ça sert de l'avoir ici s'il ne peut pas bien faire son travail? On devrait le virer. Allez, tu vois, voilà ton problème. Tu es très dur et strict. Calme-toi. Eh bien, je pense que la meilleure chose à faire à ce stade, c'est de nous trouver une ménagère. Eh oui, quelqu'un qui pourrait veiller partout et faire les tâches ménagères. Parce que j'en ai marre de faire les tâches ménagères pour vos vieilles dames. C'est bon, c'est en fait une très bonne idée. Mais tu peux aller de l'avant et faire tout ce que tu veux. C'est bon. Peu importe. Allô, maman? Bonsoir, maman. Je vais bien. Et toi, comment vas-tu? Il pleut ici. Est-ce qu'il pleut aussi là-bas? Oh. Ok, maman. Je t'appelle pour t'informer que j'ai été promue dans mon lieu de travail. Maintenant, je suis la directrice d'une banque. C'est bon, maman, s'il te plaît, je n'ai pas toute la journée. Ouais. Tu peux dire tout ce que tu veux, je suis juste contente. Non. Comment peux-tu... Ok, tu veux dire que t'as atterri? Ok, je te rappelle alors. Avec qui tu parlais? Avec ma mère. Oh, super, comment va-t-elle? Oh oui, elle vient de rentrer. Elle vient juste d'atterrir au Canada. Waouh! Elle a dû bien s'amuser. Cette femme, elle voyage énormément. Il y a de cela une semaine, elle était à Dubaï, puis elle est allée à Shanghai. Imagine comment elle gagne de l'argent. Mince, est-ce qu'on ramasse l'argent? Waouh! Elle doit bien s'amuser à faire le tour du monde. Bien sûr. Merci. Tu es tellement chanceuse, tu sais. Tu peux le redire. Venant d'une famille riche, je ne comprends juste pas pourquoi tu couches avec des hommes pour de l'argent. Ça ne tient pas. Je ne couche pas avec des hommes pour de l'argent. Je le fais par plaisir. Ok. Le plaisir. Je ressens du plaisir en le faisant. Super. De toutes les façons, j'ai déjà commandé la nourriture. Ok. Donc, j'arrive. Oh, hop. Et voilà. Nous y sommes. Je vais prendre... Non, bébé. Non. Je ne veux pas manger. Tu ne veux plus manger, pourquoi? S'il te plaît, assieds-toi d'abord. C'est du riz et il se fait tard. C'est la nuit, je ne veux pas manger. Je vais juste prendre une bouteille de jus. S'il te plaît. Le seul moyen pour que cela arrive, c'est si on le partage tous les deux pendant que tu bois ton jus. Non, une cuillère pour 5 cuillères. Laisse-moi voir. Non, 3 pour 2. Une pour 5.
D'accord. Ça marche. Marche. Ouais. Mais tu ne prendras pas de jus. Oui, oui. Ok. Donnez-moi une brique de jus et un gobelet. Ah. Cut. Un verre, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Nous y voilà. Et ceci vient comme ça. Tu commences d'abord. Non, tu commences. Ok. Hein? Ne compte pas. Ne compte pas. Il faut que tu manges. Allez. Ok. Comment tu le trouves? Bon. Et mon fils, à la recherche d'une femme de ménage dans cette maison. Nous voulons une ménagère. Pourquoi est-ce que tu demandes? Je suis intéressée. Tu ne peux pas être intéressée parce que cette affaire, c'est pour les jeunes filles. C'est pour les filles. Pas pour les grands-mères. Ok? S'il te plaît, mon fils, laisse-moi au moins parler à la personne en charge. Il n'y a personne en charge de cet endroit. C'est moi qui suis chargée de cette concession. S'il te plaît, j'ai besoin de ce travail. Aide-moi. Tu ne peux pas faire ce travail. Hein? Je cherche des filles sexy. Bien sexy. Tu comprends? Sexy. Mon fils, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Aide-moi, j'ai besoin de ça. Hein? Laisse-moi parler au propriétaire de la maison, s'il te plaît. Hein? Désolé. Désolé, hein? Tu veux venir préparer du n'importe quoi pour qu'on mange? Tu veux nous tuer dans cette concession ou quoi? Regarde-toi. Je cherche des filles sexy. Des filles qui portent des vêtements sexy. Pas celles qui attachent le pain. Quelque chose que je peux utiliser pour apaiser mon cœur. Hein? Une ménagère sexy. N'importe quoi. Chami, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu manges dans la marmite? Bonjour, monsieur. Ah oui, bonjour.
Je cherche un travail. J'ai besoin d'un travail. Besoin de travail? Oui, monsieur. Waouh! Retourne-toi. Retourne-toi. C'est bon. Hein? Pas de travail ici. Mais la notice a dit qu'il y a un travail ici. Mais la notice dit qu'il y a le travail ici. Il y a quel travail ici? La notice a dit qu'il y a du travail pour toi? Je te demande, est-ce que la notice a dit qu'il y a du travail pour toi? Bon, va-t'en. Je peux préparer, non? Je peux faire ce travail. Très bien, je suis forte. Je peux cuisiner tout genre de nourriture. Waouh! À te voir, tu peux préparer de la soupe, ça je le sais, mais dans cette concession, on ne prépare pas de soupe. Ce que nous cuisinons ici, c'est du shawarma. Tu connais le shawarma? Macaroni. Maca? Du riz frais. Bien alors, pas de couscous ou de soupe. Alors, faut partir. Si je ferme les yeux et que je les ouvre et que tu es encore ici, la semaine prochaine sera tes funérailles. Oh oui. Un. Monsieur, deux. Je suis forte, je peux. Deux. Trois. Allez, va-t'en. Disparais d'ici, idiote. Regarde-moi ça. Tu peux cuisiner? Voyons voir si tu veux rentrer ici. Mais c'est quoi ça? Regarde-toi, tu oses dire que tu sais cuisiner. Hein? C'est comme si je dois changer ça. Oui, je dois changer ça. Je vais mettre recherche d'une ménagère sexy. Regarde celle-là. Cette chose attire des vieilles femmes. Je ne veux que des sexy ménagères ici. Hein? Quelque chose qui pourra m'aider à garder mon corps et mon âme en harmonie. Quelque chose de très très somptueux. Bien. Et cette idiote ose venir ici comme ça là. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette concession? Vous prenez les gens pour qui ici? Attendez, vous allez voir. Non, tu ne dois pas dire ça. Tu sais, je n'ai pas beaucoup de temps. Je dois voyager la semaine prochaine. Je ne serai pas au Nigeria. Oh, t'es pas au courant? Ok, je serai à la Nouvelle-Zélande. Bien sûr. Oh non, oublie ça. Ouais, la semaine prochaine. Et je vais rencontrer toutes ces grandes personnalités, tu sais. Femme et Hôté de la... Bref, tous ces gens honorables. Je t'assure, oh mon Dieu, je suis si contente. Ok, tu sais quoi? Tu connais le prince? Le prince Harry de Londres, oui. Sa femme vient de donner naissance et nous irons en fête pour la présentation de son enfant au Nigeria, tu sais. Je vais te rappeler, d'accord? Je vais te rappeler. J'étais au téléphone. Seigneur! Latifa! Quoi? Pourquoi ne peux-tu pas investir tous ces mensonges dans quelque chose de positif? Comme? Je veux dire, ton affaire de boutique, sois innovante, fais quelque chose de bon. Tu ne peux pas mentir à chaque fois. T'as fini? T'as fini de parler? Je veux dire, ces mensonges te rattraperont un jour, tu sais. Ok, laisse-moi te poser une question. Choisis entre mentir et être avec un petit ami fauché. Ce n'est pas de ça que nous parlons actuellement. Latifa! Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qui ne va pas avec moi? Réponds-moi! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi ne peux-tu pas te ressaisir? Chami, réponds-moi, c'est à toi que je parle! Chami, pourquoi est-ce que tu pleures? Je ne pleure pas. Mais non, je ne pleure pas, regarde. Je me prépare pour l'audition que je dois passer demain. Mais quelle audition? Je vais passer en audition demain. Je ne t'ai rien dit? Non, tu ne m'as pas parlé de ça. Oh. Eh bien, je fais dans le cinéma maintenant. Waouh.
Mais c'est super. Oh oui, bien sûr. Mais tu m'as fait peur pendant une minute. J'ai cru que quelque chose n'allait pas avec toi. Allez, je ne suis pas l'une de ces personnes qui deviennent paranoïaques, ok? Tout ce que je fais, c'est pour pouvoir atteindre mes objectifs dans le... Ça suffit. Professeur Show Me Black, t'as pas besoin de me dire, tu sais. T'arrêtes pas avec les gros mots, n'est-ce pas? En fait, je ne pleure arrête pas. De pleurer. Je ne pleure pas. À plus. À plus tard. Tu essayes de me dire que personne n'a postulé depuis tout ce temps? Oh oui. Si c'est le cas, je te mettrai au courant. Quelqu'un lit ces bouquins. Tu merci. T'es beaucoup amélioré, tu sais. J'ai appris de toi. De moi? Ok, peu importe. C'est tellement bizarre que personne n'a postulé. Mais c'est bon, ça va aller. Qu'est-ce que t'as encore dit? C'était quoi ce français que t'as parlé? J'ai dit, si quelqu'un essaie de postuler, je te mettrai au courant. Mets-moi au courant, alors. Waouh! Je te mettrai au courant. Tu penses que tu es la seule qui sait parler français? Je vais parler français dans cette maison. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Il n'y a rien. Bon, je veux te poser une question. Est-ce qu'il y a une guerre qui se passe au ciel pour que tu décides de venir sur la terre? Pour les raisons de sécurité? Ne t'inquiète pas, c'est le travail qui m'amène au... Wow! Qui cherche du travail? J'ai vu ménager, quelque chose comme ça. S'il te plaît, je ne sais pas si tu peux m'aider. Mais c'est moi qui suis en charge. Tu veux postuler? Tu as déjà le travail. Juste comme ça? Encore à lui, Céline. Il a déjà réussi l'interview. Merci, c'est gentil. Waouh, waouh. Au lieu du travail, pourquoi tu ne me pousses pas pour devenir une fois ma femme gardienne? Ça te fait rire? Tu vas m'épouser et devenir... C'est le travail, mon frère. Je ne veux que le travail. Tu m'as dit de commencer? Immédiatement. Oh oui, immédiatement. Waouh. Très, très cool. Exactement ce que nous cherchons. Merci. Je vais tout nettoyer, tout ce qui est nettoyable. Tu es parfaite. Très, très parfaite pour le travail. Merci. C'est le travail que je cherchais. Je l'ai trouvé. Waouh. Qui es-tu? Bonjour, madame. Moi, c'est Simi, la nouvelle ménagère qu'on a embauchée. Et qui t'a embauchée? Okafor le gardien, madame. Quelle toupée! Okafor t'a embauchée? Mm-hmm. Mince. Bonjour. Bonjour. Nous avons déjà une ménagère. Peux-tu l'imaginer? Comment Okafor ose embaucher une ménagère sans nous en informer? Oh, mon Dieu. Ce gars est un gros délinquant. Vous le savez tous. Mais ce n'est pas un délire. C'est au cas où faut le garder. J'ai dit qu'il est un gros délinquant. Je ne m'adresse pas à toi, meuf. Eh bien, elle n'est pas mal. Je crois que je l'aime bien. Mais si. Okafor aura de mes nouvelles. Il aura sans doute de mes nouvelles. Oh, allez, copine, calme-toi. Pourquoi es-tu si colérique? Je sais que ce gars est fou, mais il n'est pas mal. Je veux dire, elle ne fait que travailler. Je pense que je dois encore le faire résonner dans cette maison. C'est encore quoi ton nom? Simi, madame. Ok, sois la bienvenue chez nous. Merci, madame. Fais juste ton travail. Et tu n'auras aucun problème, d'accord? Je ferai juste ça. Mets-toi à l'aise. Merci. Merci. Hey, on devrait aller jeter un coup d'œil sur Okafor. Tu n'es pas sûre que cette fille, cette tarée, s'occupe d'Okafor maintenant? Tu te souviens de la dernière fois, il s'est évanoui. Je suis juste inquiète, ok? Très inquiète.
Qu'est-ce que tu fais? Madame, désolée. Qu'est-ce que tu crois faire? J'étais en train de balayer. Madame, je n'ai rien fait d'autre. Est-ce que je t'ai demandé de balayer ma chambre? Pour moi? Je ne faisais que balayer, madame. Je vais faire mes choses. Je vais nettoyer ma chambre, moi-même. Désolée, madame. Je ne faisais que balayer. Désolée pour toi-même. Maintenant, prends ces choses et fous le camp d'ici. Mets-toi dehors tout de suite. Désolée. Hé, reviens là. Que viens-tu de dire? Non, rien. Tu n'as rien vu. Tu ne devais voir. Non, je ne faisais que balayer. Ah, je jure. Que ce soit la dernière fois que tu touches à ma chambre. Je n'ai pas besoin que tu balayes ma chambre pour moi. Désolée. Désolée. Allô? Salut mon cœur. Je suis désolée pour l'autre jour. Je sais et je suis vraiment, vraiment désolée. Je suis déjà fière de toi. Et je t'aime encore plus. Ok, bye. Je suis crevée. Pourquoi est-ce que Mélissa ne vient jamais courir avec nous? Je ne comprends pas, elle en a le plus besoin que nous, tu vois? Es-tu en train de traiter indirectement Mélissa de grosse? Je n'ai pas dit ça. Je ne traite personne de grosse. Ne me mets pas les mots dans la bouche, ma petite. C'est ce que ça voulait dire. Peu importe. Qui peut bien t'appeler à 6h du matin? Latifa? Toby. Et qui diable ça peut être? Toby est le gars que j'ai rencontré en ligne. Il est tellement spécial et différent, Shomi. Je crois que je suis amoureuse. Il ne manque plus que ça. Toi, amoureuse. C'est incroyable, franchement. T'es sérieuse? Tu sais, je suis un peu sceptique à propos de ta supposition. J'essaye de comprendre. Comment peux-tu rencontrer quelqu'un sur Internet et tu ne l'as jamais vu physiquement, tu vois? Et tu dis que t'es amoureuse, c'est psychologiquement dérangeant. Est-ce que tu vois? Tu ne me connais vraiment pas très bien. Et si tu commençais à lire pour améliorer ta grand-mère? Merci pour le conseil. Il est temps de partir. Comme ça, je pourrai parler à mon Toby. Allez, lève-toi, allons-y. Allez, lève-toi.
Mélie? Ma chérie, je pense que tu manges beaucoup. Je pense que tu dois te contrôler, oui. Oui. Tu manges vraiment beaucoup et tu risques de prendre beaucoup de poids. Et ce n'est pas comme si tu faisais des exercices. Jomie, je ne suis pas grosse. Eh bien, je ne veux pas dire que je te trouve grosse. Mais si tu continues dans cette lancée, alors tu vas finir grosse. Tu sais, tu as juste besoin de te contrôler, alors tu ne vas pas exploser. Je ne dis pas ça pour sembler, tu vois, pour sembler parfaite. Tu sais que je surveille tes arrières, je t'aime. Alors je dis juste que tu dois te contrôler. Les grosses personnes ne sont pas attirantes. Est-ce que tu peux me laisser tranquille, s'il te plaît? Est-ce que tu peux faire ça? Peu importe. Tu sais, je le dis juste parce que t'es mon amie. Et je t'aime. Et je surveille tes arrières. Je ne serais pas contente de voir les gens te parler comme... Oh, cette fille, elle est tellement grosse. Elle est moche. Je sais que tu n'es pas moche. Bien sûr que t'es pas moche. Tu sais que tu ne devrais pas manger beaucoup de poulet. Ça contient beaucoup de cholestérol et tu devrais ajouter des légumes. Tu dois ajouter des fruits. Oui, à ton régime. Oui, ma chère. Et vraiment beaucoup de légumes, tu vois. Je crois que tu devrais vraiment faire un régime. Qui fait même ce genre de choses? Ces bêtises de vêtements encore. C'est quoi ça? Franchement. C'est fatigant. Je passe mon temps à laver, laver, laver. Okafor, qu'est-ce que tu viens de faire là? Okafor, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu m'as touché? N'étais-je pas prévenu? Ne le fais plus jamais! Plus jamais! Ça vous dit quoi ça, hein? Tu m'as suivi? Essaye encore, je vais mettre mes doigts dans tes yeux! Idiot! Espèce de fou! Quitte de mon chemin! Stupide fille. Manquez-moi le respect. Vous le pouvez encore. Bientôt, vous vous mettrez un genou devant moi. Bébé, c'est quoi la bonne nouvelle? Je veux dire, j'ai été tendue toute la journée. Donc, tu veux me dire que tu ne peux pas deviner, hein? Non. Ah. Ok, j'ai... décrocher un emploi dans une banque. Ah! Mon Dieu, je suis tellement contente. Je suis très content, bébé. Je suis aussi content. Oh. Madame, je veux demander, qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment? Genre, franchement? Sérieux? Vraiment? Oui, vraiment, je veux savoir. Mais qu'est-ce que nous célébrons? Bien, bébé, nous devons célébrer ça. Et je vais m'occuper de ça. Sérieux? Oui, 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 et moi aussi. C'est très, très important. Il va bien? En fait, je vais très bien. Alors, après la sortie, on fera quelque chose comme ça. Comme ça. Comme ça. Oh mon Dieu, tu m'as fait peur. Je suis désolée, je voulais juste... C'est bon, c'est bon. On dirait que le moche et fauché petit ami de Millicent a finalement décroché un job.
Tu parles de ce vaurien appelé, je ne sais... Bien sûr, c'est lui. Oh mon Dieu. Tu sais quoi? Ce gros taré de merde doit se faire amputer la tête. Dans sa moelle allongée, si vraiment il en a une. Mélissante est au-dessus de lui. Elle est la crème de notre société. Ils ne sont pas de la même classe. Je répète, ma copine, c'est la crème de cette société. Il n'est qu'un vulgaire vagabond qui ne peut pas prendre soin d'une sophistiquée comme elle. Unique, belle et jolie demoiselle comme Millicente. Bien sûr. Je suis sûre que si Millicente avait entendu tout ceci, elle va sans doute rompre avec ce gros... J'ai entendu toutes vos sottises. Et je ne quitterai jamais Bartholomé. Alors, il est grand temps que vous acceptiez ça. Peu importe. Il a décroché un poste de banquier. Il est nettoyeur dans une banque? Bien sûr, je sais. C'est vraiment une autre. Tu peux le croire, c'est pas vrai. Millie? Millicente, réveille-toi! Espèce de paresseuse debout! Mais tu sais que je ne fais pas de sport. Eh bien, tu vas commencer maintenant. Va mettre tes baskets. C'est quoi ton problème exactement? Je n'ai aucun problème. Je veille juste sur ma copine. Pourquoi es-tu si obsédée par mon poids? Je veux dire, il n'y a rien de plus à perdre que des kilos. C'est ce qu'ils disent. Et après quelques années, ils auront l'air d'une grosse montgolfière. Oh, du couscous. Attends, es-tu en train de me décrire là? Te décrire, copine? J'essaye de t'aider. Tu dois faire du sport. Écoute, je suis sérieuse à propos de ça. Tu dois garder ton corps parfait. Et tu sais, être en forme également, tu vois. Attends, attends. Tioma, s'il te plaît. J'ai une horrible migraine et je dois aller au travail, d'accord? Alors, vraiment? Donc tout ce que j'ai dit n'a pas de sens? Eh merde. Ok. Je devrais m'occuper de mes affaires, je devrais. Putain. Hey. Je veux te demander, qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce qu'il y a? Ne sais-tu pas que tu es censé me demander des excuses? Ah, dégage. Moi, te demander des excuses, pourquoi? Donc tu ne peux pas me demander des excuses? Non, mais comment? Pourquoi je le ferai, hein? Ma chérie, tu es une déception. Franchement, une grosse déception. Okafor, reste dans ton coin. Donc tu ne peux pas me demander des excuses? Sais-tu que c'est grâce à moi que tu es ici? Ferme-la, 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 la ferme. Si je savais que j'étais comme ça, vraiment, moi, je n'allais pas t'embaucher. C'est pas bien. Je t'ai déjà tout dit, hein. Laisse-moi tranquille. Oh. En fait, laisse-moi te dire, tu es une déception. Oh oui, tu m'as vraiment déçu. Et je vais te décevoir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hmm? Mais tu te prends pour qui? Ce n'est pas possible, ça. Regardez-moi ça. Hmm? Tata Chomi. Waouh. Waouh.
Ah. Okafor, je t'ai cherché partout dans le monde. Partout dans la cour, désolé. Mais où étais-tu passé? Je suis allé chier. Tu veux dire que tu faisais tes besoins? Oui. Super, bon, super. Venez, Naira, et ce ticket-là, sont à moi. C'est pour boire de l'eau. Je te demande pardon. Oui, c'est Venaira. Naira. Sont mes Venaira. Naira. Quoi? Oui, ça. Ceci. Oui, ça là, c'est mon ticket. Mon ticket, très 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 important. Et mes Venaira. Naira. Je veux boire de l'aquatique, de l'eau aquatique. Quoi? Je veux aussi boire de l'eau pure. Qu'est-ce que tu racontes? C'est le mien. Essayes-tu de dire que je t'ai volé? Non. Ce sont mes Venaira Naira que j'ai laissés quand je partais chier. C'est pour moi. Non, ce sont mes vœux Naira. C'est pour moi. Donne-moi. Ce sont mes vœux Naira, mais qu'est-ce qui ne va pas, Tata Chomi? Mais c'est mon argent. Ce sont mes vœux Naira, mais Tata Chomi, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, ce sont mes vœux Naira, c'est mon argent. Qu'est-ce qui m'arrive? Waouh. Selon mon observation, on dirait que vous sortez du marché. C'est pour toi. Donne un peu, je vois. Ah, un téléphone. Je viens d'avoir un téléphone. Hein? Elle m'a acheté un téléphone. Un numéro inconnu. Allô? Allô, ma puce? C'est moi, Lucie. Lucie? Ah, désolée, je ne connais pas de Lucie. C'est comme ça? C'est comme ça que tu oses t'adresser à ta grande sœur? Attends. Lucie? Ta seule et unique grande sœur, non? T'es pas censée être en prison? Ma chère, je ne sais pas où je suis. Comment es-tu sortie? Je suis sortie il y a de cela quelques heures. Et comment as-tu eu un téléphone? Ah, tes questions là sont beaucoup jusqu'à... Je l'ai pris chez un garde de prison avant de sortir. Appelle maman. Ah, j'ai appelé cette femme, non? Elle faisait comme si elle ne comprenait pas ce que je disais. Elle n'arrêtait pas de faire « allô, 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 allô ». Je sais qu'elle ne veut plus de moi, mais c'est son souci. Je ne peux pas lui en vouloir. Mais le ciel sait que tu ne peux pas rester avec moi. Alors débrouille-toi. Allô? Allô, Nika? Tu es là, Nika? Hey! C'est encore quoi ça, non? Oh, Seigneur. Je sais que j'ai pas prié depuis un moment maintenant. S'il te plaît, ne laisse pas ce démon revenir dans ma vie. Okafor. Okafor. Ah, Okafor. Ah, hein? Hey, nouveau téléphone. Qui te l'a donné? Je sais que tu ne peux pas l'acheter. Où l'as-tu ramassé? Waouh. Bien. Selon mon observation. Qui t'a donné ça? Qui t'a donné ce Maintenant téléphone? Maintenant que tu as vu un téléphone dans mes mains, tu t'es rapproché de moi. Qui t'a donné ça? Qui t'a donné ce téléphone? Eh bien, pour ton information, Tata Choum Choum a payé
Ce techno, c'est à 4 pour moi. Que tu fais pour elle? Parce que j'ai le niveau. Qu'est-ce que tu as fait pour elle? Pourquoi t'achètes un téléphone comme ça? Eh bien, parce que je suis l'honorable officier de sécurité. Pourquoi? Pourquoi t'as-t-elle acheté un téléphone au carrefour? Comme tu veux savoir pourquoi, mon ancien téléphone a été volé. Dans cette maison? Dans cette concession, quelqu'un est venu et a volé mon téléphone et mon ticket de Paris. Un ticket de 14 000 naira que j'avais gagné. Attends, quelqu'un t'a volé ton téléphone et ton ticket de Paris ici? Oh oui. Et Shuma, et allez t'acheter ça? Pas seulement ça, mais un Android. Comment était ton téléphone, celui que tu as perdu? Selon mon agenda, c'était un noir, mais un peu compliqué. Un techno, lampe torche. Attends, quelqu'un t'a volé ta torche. Et Shuma y allait t'acheter ça. Tu es jalouse? Ne me dis pas que tu es jalouse. En tout cas, je sais que tu vas toujours perdre celui-ci. 52 000 naira. Puis-je avoir ton numéro? Villageois. Pour qu'on cause sur WhatsApp. Non, pas du tout jalouse. Espèce de fou, idiot. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Que fait-il là-bas? Bébé, pourquoi veux-tu qu'on se retrouve ici? On pouvait se rencontrer dans un restaurant ou autre chose. Je n'ai pas d'argent pour le restaurant. Oh, ne sois pas comme ça. Je crois que nous en avions déjà parlé. Peux-tu me permettre de dire ce que j'ai à dire? Ok. Millicent, c'est terminé entre nous. Excuse-moi. Ce que je veux dire, c'est que je me sépare de toi. C'est quoi cette blague? Millicent, je suis pourtant très sérieux. Je ne veux absolument plus rien avoir à faire avec toi. Que je ne te vois plus chez moi. Ne m'appelle plus. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu ne comprends pas? J'en ai vraiment marre de cette relation. Cette stupide relation me fatigue. Excuse-moi. Ma chère sœur, je te déteste. Et pourquoi non? Je sais que tu me détestes. Je croyais que tu devais écoper 7 ans de prison. Et qui est cette fille avec toi?
Ne sont-ils pas censés vous remettre vos vêtements après votre libération de prison? Et en plus, pourquoi est-ce que je viens te chercher en route? Nika, pourquoi tu... Qu'est-ce qui te... Attends, c'est à moi que tu racontes toutes ces sottises? Où est-ce que tu as pris tout ce mépris? Hé, une petite correction. Appelle-moi Latifa. Elle a dit... Latifa. Là, regarde le genre de nom que tu as choisi, là. Tu mens n'importe comment. Ce n'est pas ton problème. Laissons ça. S'il te plaît, hein. Tes questions sont nombreuses. Ce que je veux maintenant, hein, c'est de me laver et avoir de la bonne nourriture. Tu n'as pas de bonne nourriture chez toi? Nous n'irons nulle part jusqu'à ce que tu répondes à mes questions. Je ne te fais pas confiance, tu le sais. Nick, Latifa, pas de soucis, hein? Je vais tout te raconter. Je viens, tu sais, j'ai changé. Hein? Regarde-moi, j'ai changé. Je ne suis plus la sœur que tu connaissais avant. J'ai changé et c'est même pour cette raison qu'ils m'ont libérée. Hein? Et cette personne que tu vois ici, c'est mon partenaire des partenaires, son nom c'est Ife, pas le genre de nom que tu as choisi. Ok. Mais vous ne pouvez pas venir avec moi habillée comme ça. Vous comprenez? Je ne peux pas vous laisser me mettre la honte devant mes amis. Vous devez chercher des trucs à vous mettre. Non, 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 sans souci, hein? Hé, hey, là, là! Où diable vas-tu? Qu'est-ce qui se passe? Hmm? C'est comme ça? Je ne vais pas. C'est comme ça que ça se passe ici? Là, là, hein? À qui est-ce que tu parles comme ça? Calme-toi, tu es trop colérique. J'allais le dire. Toi aussi. La ferme, calme. Ah, Latifa, tu es trop colérique. Calme-toi, non? Effet n'a pas de problème. C'est exact. Nous n'allons jamais te déranger. Elle ne te dérangera pas. C'est une bonne fille. En fait, elle a changé comme moi. Dans une semaine, nous ne serons plus là. Une seule semaine. Je l'espère bien. C'est toujours les vêtements que ta sœur achète? Je me pose la même question. Qu'est-ce qu'il y a, les filles? Bébé, ma sœur des Wifford. J'espère que vous aimez maintenant. Regarde comment on est belle, regarde comment on est belle. J'en ai plus pour vous. Et c'est comme ça que je veux que vous vous habillez désormais. Correct. Que mes amis me respectent énormément. Et je ne peux pas laisser savoir que ma sœur est une ex-prisonnière. Non. À quoi ça sert? Attends. Donc, Neka. Désolée, te fâche pas. Latifa. Donc, pendant toutes ces années, donc ta vie de mensonge n'a pas du tout changé, pas du tout. Tu vis toujours ce genre de vie. De plus, venant de toi, tu vas sortir de cette voiture. Désolée, ça ne doit pas arriver. Je préférerais vivre une fausse vie que d'être criminelle. Désolée, c'est bon. Attends, okay. Pour qui est-ce qu'elle te prend même? Te fâche pas. Dis à cette meuf de bien se comporter. Et tout ce mauvais français, je ne veux plus du tout de ça. Écoutez, à partir de maintenant, faites l'effort de parler le bon français. Ouais. Me suis-je bien fait entendre? Attends, tu traites qui de meuf? Regarde, parle à ta sœur avant que je lui donne un coup de poing. Qu'est-ce qu'il y a? Sérieux? Je t'en prie, calme-toi. Regarde-moi cette calme-toi, ça va aller. Tu sais qui je suis? Regarde, laisse-moi te dire. Nous allons speak le bon français. Bon français, calme-toi. Dégage! Regarde, laisse-moi te dire, je suis allée en prison parce que j'ai tué un homme. C'est fameux encore. Je vais te percer la tête, te trouer le crâne. Qu'est-ce qu'il y a? Folle! Dégage! T'as perdu la tête? Ce n'est pas arrivé à ce point. Attends. Donc c'est parce que je suis bien fringuée, parce que je suis calme. Attends. Laisse-moi te dire, je suis une dure à cuire, oh. Je suis une dure à cuire. J'ai grandi dans un ghetto. Écoute. Avant que tu ne touches cette bouteille, tu peux te poignarder jusqu'à ce que la mort suive. Tu n'es pas arrivé à ce point. Toi aussi, tu ne peux pas me garder. La ferme. Laisse-moi, mais c'est quoi? Calme-toi. Qu'est-ce que tu as fumé? C'est quoi? Tu ne... Calme-toi. Meuf. Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi, non? Tu... Ne te fâche pas. Calme-toi, c'est sans souci. Elle ne va plus le faire. C'est promis, c'est mon partenaire. Non. On dirait que tu veux descendre de cette voiture. Elle ne... C'est bon. Il n'y a pas de souci. Elle ferait mieux de ne plus me parler de la sorte encore. J'ai faim. Elle ferait mieux de ne pas l'essayer. Je suis obligée de n'aider que toi, parce que t'es ma sœur. Elle ne va plus le faire. Calme-toi. Pas de souci. Allons-nous en d'ici. Elle ne va plus le faire.
elle ne va plus le refaire. Voici ta sœur. Oui, c'est elle. En fait, elle vit en Afrique du Sud. Ravie également. Bien, ravie de faire ta connaissance. Tout le plaisir est pour moi de faire ton connaissance. Pardon? C'est vraiment triste que t'aies fait leur connaissance dans ces circonstances horribles. Oui, des circonstances horribles. Que s'est-il passé? Elles ont été agressées quand elles sont arrivées. Oui, Jésus. Et ils leur ont tout pris. Oh mon Dieu. Oui, je suis vraiment, vraiment... Je suis désolée pour vous deux. Navrée. Oui. Ils ont pris leur sac et leur bagage. Et elles ont besoin d'un endroit où rester pendant qu'elles se cherchent. J'espère qu'elles te plaisent. Oh, bien sûr, soyez les bienvenues. Ça sera sympa d'avoir. J'ai hâte de vous connaître et d'avoir plusieurs filles. Ah, Afrique du Sud, avec ses merveilleuses animaux. Oui. J'ai hâte de vous connaître encore plus. Oui. Oui. Laisse-moi leur montrer leur chambre. Oui. Tu causeras avec elles plus tard. Est-ce que je peux vous suivre? Je vous suis. Tu voulais finir avec ta grand-mère? Allez. Oh, Latifa, ça fait du bien d'avoir plusieurs filles à la maison. On va moins s'ennuyer. Chami, j'ai besoin de ton aide. Ah oui, pour faire quoi? Ma mère a eu une crise cardiaque et mon père est présentement en voyage d'affaires à Tokyo. J'arrive pas à le joindre. Oh mon Dieu, Latifa, ta mère? Et où est-elle? Elle est à Abuja. Un bon samaritain l'a aidé à sortir de l'hôpital. Et je dois envoyer de l'argent là-bas. Tu sais que j'ai perdu de l'argent, n'est-ce pas? Pendant que je travaillais. Et elle n'a personne d'autre là-bas. J'ai besoin de ton aide. Combien? 800 000 naira. Je vais te rembourser la semaine prochaine. S'il te plaît. Tu es très chanceuse. Ma mère m'a envoyé un peu d'argent. Et parce que c'est ta mère, je crois que je vais t'aider. Merci. S'il te plaît, ne fais pas. Je suis tellement contente. Tu dois juste me promettre que tu vas me rembourser la semaine prochaine. Bien sûr, la semaine prochaine, je vais te rembourser. Je suis sérieuse. Je le ferai. Quand ça? La semaine prochaine. Merci, ma copine. S'il te plaît, arrête. Je vais te rembourser la semaine prochaine. Ok. Je vais te faire un transfert. Je dois aller chercher un truc. D'accord, je vais attendre. Merci. La semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Okay. Ouf. Tata Shumi, ne te fâche pas. Il y a quelque chose que je voulais te demander. Ce truc, Tata Latifa t'a dit. Tu es sûre? Pourquoi est-ce que tu aimes parler cette merde? Pourquoi ne veux-tu pas parler le bon français? Ne te fâche pas. Pour ce qu'elle t'a dit concernant sa mère, je ne sais pas ce qui est arrivé à sa mère. Mais que quelqu'un est mort dans son village, c'est le mensonge. Elle ment. C'est son faux petit ami qui est dans son ordinateur, à qui elle va envoyer l'argent. Latifa ne peut pas le faire. Elle ne peut pas penser à faire ça. Prendre mon argent et le donner à un simple petit ami? Un gars sur Internet? C'est ça, madame. C'est ce que j'ai suivi quand je passais juste. Je l'ai entendu parler. Je vais aller là-dedans et lui demander. Et si ce que tu me racontes n'est pas vrai, alors tu auras de mes nouvelles. Je te jure. Va lui demander. Demande-lui. Mais si tu veux lui demander, ne mentionne pas trop mon nom. Vas-y. Tu m'as l'air maléfique. Je reviens pour toi. Non. Désolée. Si je me renseigne et ce que tu dis n'est pas vrai, tu auras de mes nouvelles. Madame. Demande-lui. J'ai dit la vérité. Vas-y. Est-ce vrai? Qu'est-ce qui est vrai?
Est-ce vrai que l'argent que tu veux que je t'emprunte, tu vas le donner à ton petit ami? Je ne sais pas de quoi tu parles. N'ose pas me mentir, Latifa. N'ose pas. Chomi, ce n'est pas comme ça. Mon Dieu. Sérieusement? Je te faisais confiance. Comment as-tu pu? Tu as prétendu être intelligente et tu as succombé à cela. Tu as succombé à ça, Latifa? Non. Mais je ne peux pas laisser sa mère mourir. De quelle mère tu parles? Oh mon Dieu. Latifa! Il n'y a pas de mère. Tu as été escroquée. Ne dis pas ça. On ne peut pas m'escroquer. Tu sais quoi? Je croyais que ton cerveau microscopique allait le détecter, mais j'avais tort. Ok, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu l'as fait en appel vidéo, je veux dire par Skype ou WhatsApp? Non, mais j'ai vu... Des photos. Oui. J'ai des photos. Mon Dieu. Ma chérie. Ce mec, Toby, peu importe comment il s'appelle, peut être n'importe quel garçon à Lagos qui utilise des photos pour escroquer des gens. Il appelle avec un numéro étranger. S'il te plaît! Comment tu peux... Oh mon Dieu, c'est pour cela que je vous demande de lire. Latifa, lis, fais des recherches. Mets-toi à jour. Numéro étranger, vraiment? N'importe qui peut s'approprier ça. Il y a des milliers de personnes ici à Lagos qui utilisent des numéros étrangers. Tu as cru à ça? Ok, essayons autre chose. Essaye de lui donner de l'argent et voir s'il va encore t'appeler. Croire à ça? Sérieusement, tu allais lui donner mes 800 000? Attends, C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Tu vas bien? Ma chérie. Tu vas bien? Il m'a quittée. Qui ça? Attends, tu veux dire ce moche et horrible idiot a rompu avec toi? Ce salaud et fils de pute a vraiment eu le cran? Sérieusement? Maintenant, il a un travail. Et il n'a pas de place pour moi. Oh non! Je vais brûler sa maison. Ensuite, retirer ses yeux après avoir découpé ses lèvres. Et tu seras arrêtée pour homicide et tentative de meurtre. Elle l'a aimé avec tout son cœur. Et voici ce qu'elle obtient. Cœur brisé. Elle s'est toujours occupée de lui. L'aimer. Comment ose-t-il? Ce n'est pas juste, je le sais. Mais comment découper les lèvres de quelqu'un et retirer ses yeux résoudra ce problème, tu peux me le dire? Comment? Il doit payer. Je l'ai prévenu. Je lui ai dit qu'elle allait vraiment trop vite. Il l'a abandonnée peut-être parce qu'elle est grosse. Écoute. Je m'en fiche de pourquoi il a rompu avec elle. Je m'en fiche. Tout ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'il paye. Ce bâtard, cet idiot, ce vaurien doit payer. Madame la tueuse, ce n'est pas à toi de le faire. Laissons Millicent décider de ce qu'elle va faire de la situation. Bien. Millicent, dis seulement un mot et je vais assassiner ce bâtard. Millicent? Millicent! Millie? Qu'est-ce qu'on fait? Millicent? Ce n'est pas drôle. Attends. Je vérifie son pouls. Elle respire? Allô, bébé. Chérie, comment tu vas? Bien. Tu ne m'as rien dit? Non. Il n'y avait personne pour m'emprunter. Je suis désolée.
Peut-être que tu devrais demander à tes amis. Allez, chérie, je te faisais confiance pour ça, tu sais. S'il te plaît, envoie-moi cet argent. Il n'y a personne d'autre qui peut m'aider. S'il te plaît. Désolée, j'ai pas d'argent. J'en ai pas. Alors, c'est vraiment dommage, chérie, je t'assure. Mon Dieu. Je ne ferai plus jamais confiance en aucun homme. Comment ai-je pu être aussi bête de penser que celui-ci serait différent? Oh mon Dieu. Comment ai-je pu croire à ça? Quoi de neuf? Qu'est-ce que tu vas dire à ta sœur? Meuf, je suis pas obligée de le dire. Hein? On n'a pas besoin de lui dire qu'on s'est enfui, de prison. Ce sera merdé. Surtout après tout ce qu'elle a fait pour nous. On doit se cacher et tout planifier. Comme ça, on pourra quitter ce pays. Je suis fatiguée. Tu es sûre qu'elle va te croire? La magie. Détends-toi juste, ça va marcher. Tu es sûre qu'elle ne va pas mal le prendre? Pourquoi est-ce qu'elle va prendre ça mal? Si tu le dis. C'est parce que je continue d'être calme? D'accord. Pardon, laisse tomber. C'est vraiment bon. Je n'ai jamais mangé une nourriture aussi bonne. Simi est une très bonne cuisinière. Toi aussi, n'exagère pas. Je n'exagère pas. Hey, cette nourriture est trop bonne. C'est comme ça que vous mangez en Afrique du Sud? Non, non. Le poulet est très bon. Tu as dit quoi? Où est Millicent? Tu sais, Millicent, elle est peut-être allée au travail. Tu sais qu'elle ne blague pas avec son boulot. C'est une travailleuse psychotique. Je n'ai jamais vu une personne pareille. Comporte-toi.
Je n'ai pas encore rencontré cette mini-singe. J'ai hâte que tu la rencontres. Elle est vraiment adorable. Meuf, donne-moi aussi pour que je puisse tirer un coup. Calme-toi, non? Qu'est-ce qu'il y a? Où est la cigarette? Quelle cigarette? Personne ne fume. On ne fume pas. Donc, si j'aime cette odeur, je ne le saurais pas. Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas de cigarette ici? Mais okay, non. Écoutez, écoutez, ok. Ah, tu lis? Et le livre est carrément à l'envers. Suis-je une idiote? Ou une bête? Écoutez, laissez-moi vous dire une chose. Vous ferez mieux de bien utiliser vos cerveaux et ne gâchez pas les choses. Regardez. Vous voyez la façon dont mes amis me regardent? C'est très, très spécial. Ne gâchez pas les choses. Alors, une seule erreur et puis vous partez d'ici. Attends, laisse-moi te demander. Qu'est-ce que tu veux au juste? Si ces filles que tu appelles tes amies, celles pour qui tu te prends la tête et que tu appelles tes amies, pourquoi ne leur dis-tu pas qui nous sommes? Regarde. Tu ne peux pas leur dire que nous sommes du même groupe. Écoute-moi très bien. Je te respecte parce que t'es ma grande sœur. Je te respecte. Et ne profite pas pour ça. Désolée, Vivi. Écoutez, laissez-moi vous dire. Regardez, laissez-moi vous dire comment ça se passe ici. S'il y a juste un petit truc qui ne va pas, vous allez partir d'ici. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, désolée. Nous sommes vraiment désolés. Ça n'arrivera plus. C'est bon, t'inquiète. Plus jamais. Hein? Ne gâchez pas tout ce que j'ai déjà abouti. Te fâche pas, désolée. Ça te va. Te fâche pas, hein? Toi aussi. Hein? Ta sœur exagère. Ferme ça. Je peux plus me chuter. Mélissent? Oh, Mélissent, tu es là? Je me suis réveillée tard, donc j'ai appelé au bureau. C'est inhabituel. Je ne t'ai jamais vue à la maison à cette heure de la journée. Je ne t'ai jamais vue manquer le travail. Jamais. Viens. Quoi? Viens. Viens, qu'est-ce qu'il y a? Viens t'asseoir. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que quelque chose ne va pas chez moi. Que veux-tu dire? Récemment, j'ai eu une grave migraine et je me sens étourdie. Tu dois voir un docteur, peut-être ce n'est rien, ou quelque chose. Va juste vérifier. Ok, je le ferai. Fais-le, d'accord. A-t-il appelé? Qui? Tu sais de qui je parle. Est-ce qu'il t'a appelé? S'il te plaît, je ne veux pas parler de lui. D'accord. À plus tard. Thank you.
Tu es malade? Tu m'as giflé? Tu me connais? Tu m'as giflé? Moi le maître, l'honorable gardien de cette concession. Est-ce que tu sais que je peux te virer? Ah bon? Tu es viré. Tu sais qui je suis? Tu n'as pas peur? Mais tu n'es qu'une femme qui mérite un beau gosse comme moi. Un beau gosse, oui. Hein? Et tu me gifles? En fait, tu ne m'aimes pas. Si tu ne dégages pas de mon chemin, si je te gifle, je vais te casser le nez. Tu n'as pas peur de moi? Dégage. Folle. Continue à me provoquer. Je vais te... Ouvre ce portail. Tu ne peux pas l'ouvrir? Ouvre ce portail, je vois. Tu m'as giflé? Allez, ouvre ce portail. Ouvre, je vois. Allez, ouvre-moi ce portail. Moi, l'ouvrir. Si j'ouvre ce portail, je meurs. Et tu veux ouvrir mon portail? Sans ma permission? Si tu sors, tu ne vas plus entrer ici. Je te le dis, tu ouvres mon portail. Dégage, imbécile. Mais c'est quoi ça? C'est quelle qualité ça encore? Qui est cette fille? Tu ne vas plus revenir ici. Très très belle. Très belle à l'extérieur, mais n'importe quoi à l'intérieur. Cette fille a eu le courage de me gifler. Tu as eu le courage de me gifler? Moi? À quoi la banque à tout bon à nous? Tu es viré. Non, 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 tu es viré. Elle a encore passé celle-là. Où est-ce qu'elle est? Effet? 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 Au Carrefour, c'est ça? Oui. Je m'appelle Lucie. J'étais ici hier. Tu m'as vu, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu as vu mon amie? Celle avec qui je suis venue hier. Cette belle fille? Oui, 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 j'imagine. Elle est sortie. Quoi? Elle t'a dit où elle est partie? Imagine ton amie ou alors ta sœur. Je lui ai demandé où elle allait, juste pour qu'elle me gifle. À moi. Moi, au Carrefour, alias Akana Mongatumu Bonessi, à nous me gifler. Ça, c'est encore quel genre d'histoire, juste là. Parce que je suis un simple gardien, elle a eu le courage de me gifler. Je te parle, tu pars? Comment vous ce portail? Portail? Juste parce que je suis un simple gardien, cette fille a eu le courage de me gifler, moi. Moi. En fait, je l'attends ici. Est-ce que tout va bien? Ok. Et où est l'autre? Effet. Mm-hmm. Elle est allée acheter quelque chose. Elle va bientôt rentrer. Ouvrez la porte! Ouvrez la porte! Elle va bientôt rentrer. Des chiens! Des chiens! Des très gros chiens! Oh, merci Seigneur! Ils ont couru derrière moi! Et j'ai couru aussi!
Effie, est-ce que t'es obligée de faire intentionnellement tes erreurs juste pour nous faire rire? Effie, tu es une blagueuse. D'accord, ça suffit avec tes blagues. Je voudrais vous parler, oui, à toutes les deux. J'ai un problème que je voudrais que vous m'aidiez à résoudre. Hey. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas la fermer, oui? On dirait que tu veux écoper. Entre dans la voiture. Tout de suite. Pourquoi? Pourquoi je dois entrer dans la voiture? Tu parles encore? Laisse-moi poignarder ce gars. Laisse-moi le poignarder. Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi, meuf. Entre, non? Pourquoi je dois entrer dans cette voiture? J'arrive pas à croire que je suis une kidnappeuse. Je viens de kidnapper quelqu'un dans ma malle. Waouh, félicitations, ma puce. Tu viens juste de commettre ton premier crime. Oh, je t'en prie. Tu crois que je suis fière de ça? Oh, pense-y. Je crois qu'il le mérite. Mais j'adore la nouvelle Shomi. Je vais demander, dites-moi les filles, qu'est-ce que le gars a fait au juste? Tu es vraiment bête. Tu ne sais même pas ce que le gars a fait, mais tu veux le suivre. Hein? Shomi, je crois que tu dois ralentir. Il y a une station de police devant. Tu es sûre? Il y a la police? Oui. Hein? Tourne, s'il te plaît, fais demi-tour. Tourne. Vous allez bien, les filles? Oui. Ouais, c'est vrai, on doit tourner. Quelle route allons-nous prendre? Vous ne connaissez pas une autre route? Ouais, okay, il y en a une de l'autre côté. Sors de là! Allez, mon goût, sors! Sors! Allez, mets-toi à genoux! Est-ce vraiment nécessaire? J'ai dit à genoux! Il ouvre les yeux comme celui d'un chat. Je vais raser cette barbe. Pourquoi as-tu rompu avec Mélissante?
C'est elle qui vous a poussé à faire ça. Elle t'a toujours aimé et pris soin de toi. Mais dès que t'as eu un travail, t'as oublié son existence. Quoi que j'ai fait, c'était pour une raison. Vas-tu te mettre en genoux? Allez, vas-y tout de suite! Ne fais pas une erreur. Parle-moi, je t'écoute. Oui, j'avais justement un travail. Mais c'était ce que je pensais. Mais lorsque je suis allé là-bas, on m'a dit que c'était juste une erreur et qu'il m'avait appelé par erreur. Sachant comment elle était contente lorsque je lui ai dit que j'ai eu ce job, je ne pouvais pas retourner vers elle et lui dire que je suis à la case départ. Ce que j'ai fait n'était pas juste. Mais je ne pouvais pas retourner vers elle et lui dire que je suis toujours sans emploi. J'espère que c'est la vérité. Et n'essaye même pas de mentir. Sinon, j'écrase ce qui te sert de tête. Attention. Oui. J'aime beaucoup Mélissa. Et pourquoi... Pourquoi ne lui as-tu rien dit? Pourquoi ne pas l'expliquer? Elle... Tu as brisé son cœur. Et elle est vraiment malade. Mélissa est malade. À quoi est-ce que tu t'attendais? Ah, ce n'était pas mon intention. Mais où étiez-vous? Je me suis réveillée et je n'ai vu personne. Qu'est-ce qu'il fait ici? Écoute-le. Je t'en prie, écoute ce qu'il a à te dire, ok? Je ne veux pas le voir. S'il te plaît, bébé. S'il te plaît. Je veux que tu foutes le camp de ma maison. S'il te plaît. Calme-toi. S'il te plaît. Détends-toi et écoute-le, s'il te plaît. Fais-moi confiance sur ce coup. Bébé. La vérité, c'est que j'aurais aimé reprendre toutes ces choses que je t'ai dites. Que je t'ai fait. Je l'ai fait parce que je suis fatigué de te décevoir. Que veux-tu dire? En fait, je n'ai pas eu ce job à la banque. J'ai été appelé par erreur. Et crois-moi, j'avais peur de te le dire. Tu aurais dû me le dire. Quand tu n'avais pas de travail, j'ai été compréhensive et j'ai prié avec toi. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Je suis désolé. Ce n'était pas mon intention de te blesser. Tu m'as blessé. Tu m'as blessé plus que tu ne peux l'imaginer. Tu m'as blessé. Je t'aime et je ne pourrai jamais te voir comme une charge. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Bébé, je suis vraiment désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolé. Je te pardonne. Mais je pense que nous avons besoin d'une pause. Bébé, c'est comme si tu n'as pas compris que je suis vraiment désolé. Pardonne-moi, s'il te plaît. Tu vois, ces derniers jours ont été un enfer. Je ne peux pas vivre sans toi. S'il te plaît, pardonne-moi. Au revoir, Bartholomé. Bébé, s'il te plaît, ne fais pas ça.
Je n'arrive pas à comprendre ces gens. Donc après tout ce boucan, ce bruit et toutes ces menaces, ah, j'y crois pas. On a kidnappé quelqu'un, on l'a amené à la maison. Ils l'ont laissé partir sans prendre l'argent chez lui. Chou! C'est comme ça qu'ils font ici? Ah, ce n'est pas possible. Kai, ce n'est pas possible. Ce que tu racontes depuis, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est pas mon problème. Pas du tout. Ce n'est même pas ça mon problème. Mon seul problème, c'est toi. C'est toi qui es mon problème. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire la marche que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est du passé. Laisse tomber. Rien ne s'est passé. Tu as fumé quelque chose? Tu es folle? Je peux te donner une claque maintenant, hein? C'est quoi ça? Calme-toi. Pourquoi es-tu colérique? Pardon, parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Calme-toi. Je suis allée me mettre à l'ordre. Et puis j'ai vu la police. Hey! Si tu voyais la fuite. J'ai sauté sur une clôture, j'ai couru 360 km. Hey! Je n'ai jamais vu une fuite pareille. Hey! C'est pas possible. Si je dis que il n'y a rien dans cette tête, tu vas dire que je me moque de toi. Tout ce que tu mets pour orner cette tête, je t'assure, il n'y a rien dedans. C'est vide. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu sais bien que la police nous suit partout. Elle nous recherche. Et toi, tu pas marché. Que tu voulais faire, quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hein? Tu sais que si la police nous arrête maintenant, tous les plans que nous avons vont juste tomber dans l'eau. Hein? Il n'y aura plus rien. Mais calme-toi. Hein? Tchou, ça, c'est quoi, une ça? Erreur. Ça ne va plus arriver. Détends-toi. Tant mieux. Que ça n'arrive plus haut. Que ça ne se reproduise plus haut. Comme je te le dis, que ça ne se reproduise plus. Dans une semaine, Ada va revenir. Hein? Si elle revient maintenant, oh mon Dieu, 50 millions, ce n'est pas petit. 50 millions, ce n'est pas n'importe quoi. On va le prendre et tout le monde va aller de son côté, non? Qu'est-ce qu'il y a même? Mais attends. Devons-nous attendre, Ada? Toutes les deux, on peut le faire, hein? Rapidement et tout sera bon. Ada, 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 par là. Ah, tu vois? J'en ai marre. J'en ai marre. Tu es sérieuse? Je vois que tu ne réfléchis pas. Franchement, tu ne réfléchis pas. Si Ada, qui connaît l'intérieur et l'extérieur de cet endroit, c'est elle qui ira et reviendra avec nous. Tu es là à parler. Qu'est-ce que tu racontes? Si nous partons faire ça nous-mêmes, est-ce que tu sais que nous allons retourner dans cette prison? En ce qui me concerne, je ne suis pas prête à retourner là-bas. Je ne suis pas prête du tout. Détends-toi juste, elle va bientôt sortir. Nous allons bien planifier et sortir de ce pays. Je suis fatiguée, regarde ce qu'on m'a donné à porter. J'ai tellement chaud partout. Je t'assure, je suis fatiguée. C'est la peur qui t'anime. Tu as trop peur. Quelque chose qu'on peut secouer et le faire rapidement. J'ai là à dire que Adeinous. Kai, en fait, je ne te comprends pas. Tu vois, tu tues mon esprit. Je comprends pas. Nos plans ne sont rien comparés à celui-ci. Genre, ça nous donnera 50 millions de naira. T'es sérieuse à propos de ça? Bien sûr que oui. Alors vas-y, parle-moi de ton bon plan. La sœur de Latifa et son ami font un plan dans la maison. Mais ce n'est pas ça la bonne partie, hein. La bonne partie est qu'elles ont cette affaire. Je ne sais vraiment pas. Et ça leur donnera 50 millions de naira. Wow! Oui. C'est une grosse somme d'argent, là. On dirait qu'elles attendent une de leurs amies qui est en prison. Quelque chose comme ça, avant qu'elles n'exécutent tout le reste. Je ne comprends vraiment pas le plan, mais on dirait une grosse affaire. Tu sais quoi, ma puce? Tu dois garder un œil sur elles. Rassure-toi de suivre chacun de leurs pas. Et tiens-moi au courant, d'accord? Oui. Alors, quand elles auront ces 50 millions de naira, toi et moi allons les voler d'elles et les rendre à la police. Wow, c'est génial. C'est parfait. Cette fille de Latifa, je sais pas pourquoi elle n'arrête pas de m'appeler au téléphone. Je n'aime pas celle-là. Efface-la de ton esprit. Je ne veux pas. Elle ne me veut pas du tout. Elle veut mon argent. Peu importe. Qu'elle ne me gâche pas mon humeur. Qu'elle ne me gâche pas l'humeur. Ok, tu veux que ton homme soit sérieux, pas vrai? La prochaine fois que tu viendras me voir, ne viens pas habiller comme ça. D'accord? Ce n'est pas joli. Je suis mignonne. Hein? T'as l'air drôle. Tu m'as vraiment manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Je dois retourner au travail avant qu'on constate que je ne suis pas là. Ah, d'accord. Ouais, prends soin de toi. Je sais. Appelle-moi. Ne l'oublie madame, pas. Madame, la nettoyeuse, madame, la nettoyeuse. Foulocan, à plus tard, bébé.
Tu prends soin de toi. Waouh. 50 millions de Naira. Je suis contente qu'on ait défendu Millicent. Ouais, bien sûr. À quoi servent les amis? Je veux dire, c'est quelque chose que je peux faire pour les gens que j'aime. Tu vois, je ferais n'importe quoi. La seule chose qui me fait mal, c'est que... ils ne se sont plus remis ensemble. Ouais. Je suis surprise que nous ayons pitié du même gars qu'on a tant détesté. Je n'arrive pas à le croire également. Je veux dire, c'est la vie, quoi. Je ne sais pas... C'est qui ça? Oh mon Dieu! Oh! Regarde-toi! Jen! Regarde-toi! Oh! C'est dommage! J'ai oublié, je suis vraiment désolée! Je n'avais pas dit que j'attendais une amie des États-Unis! Telle. Tu me rends timide! Je suis contente de te revoir! Tu as tellement pris de bien! Comment tu vas? Je vais bien! Tu es maintenant ici? Ça fait en fait un mois et deux semaines. Je suis de retour. Tu te fous de moi? Tu m'as manqué. Oh mon Dieu! Jane, ouais. Superbe! Merci. Oh, j'ai ouais, passé beaucoup copine, de temps à Londres. Ma copine. Pas mal de temps. Tu es de retour. Je croyais que t'allais jamais quitter les États-Unis. Oh, ça. J'ai vécu à Londres avant d'aller aux États-Unis pour assister à la Fashion Week. Eh ouais, mon bébé est de retour, ma copine est de retour. Tu sais combien ça peut être fatigant de travailler pendant cette période. Ça fait longtemps. S'il te plaît, tu peux demander à ta bonne d'aller chercher mes affaires. Enfin, je suis à la maison. Quoi? Qui traites-tu de bonne? T'es pas une bonne. Je suis désolée. En fait, tu ressembles à une bonne. J'ai un message pour toi. Tu dois l'écouter.